été diplômé en 2009. J'ai été diplômé de la ELA en 2008. Aujourd'hui, je fais comme métier, je suis éducateur de rue et coordinateur accueil temps libre pour la commune de Gerpine. Je suis éducateur dans l'enseignement secondaire général. Je m'occupe d'élèves de 3e et 4e secondaire. Ce qui me plaît le plus dans mon métier aujourd'hui, c'est le contact avec l'autre, les échanges, et alors pouvoir permettre à des élèves rencontrant certaines difficultés, de pouvoir les dépasser, de travailler aussi, encore une fois, en lien avec les parents et les différentes équipes, avec le jeune, pour le jeune, et l'amener à se construire tout au long de sa scolarité. Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est le côté social, le contact humain, le contact avec les jeunes, le contact avec la population et les citoyens. Mon meilleur souvenir dans mon parcours professionnel, c'est la mise en place d'un projet individuel avec une personne handicapée. Elle avait un handicap mental sévère, elle ne parlait pas, ne mangeait pas avec des couverts. Le projet était d'amener cette personne à utiliser des couverts correctement, à pouvoir s'épanouir dans différentes activités. D'abord, la qualité principale, c'est être à l'écoute. Je pense que pour tout éducateur, c'est la plus importante. Je crois que savoir écouter l'autre, c'est du quotidien, c'est du non-stop. Pour moi, les trois qualités à avoir pour faire ce métier, la première qualité, c'est la passion, parce que c'est un travail qui demande beaucoup de dons de soi. Et donc, il faut avoir la passion, avoir le contact avec les gens. Je dirais l'organisation, parce qu'il faut être organisé dans son travail, sinon on perd beaucoup de temps et on ne fait pas un travail optimal. La deuxième qualité, je dirais, c'est pouvoir être disponible. On est susceptible d'être présent à tout moment, à tout endroit. Dernière qualité que je dirais, je pense que c'est l'empathie. Être empathique, parce qu'on travaille parfois avec des populations plus précarisées ou plus carencées, et le fait de pouvoir se mettre à leur place aide beaucoup pour pouvoir les aider. Convivialité, accueil et accompagnement.